اخترت غيركم ولا رضيت سواكم ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم. Après un petit temps d'attente qui a d'ailleurs inquiété déjà certaines personnes, on est apparemment pour de bon en ligne, ça y est, je nous vois sur l'Université de l'Amour. C'est bon, on est là avec ce soir avec Isia Barrett qui va vous raconter plein de choses sur son travail de séparation consciente et de séparation de travail d'accompagnement des couples qui se séparent de façon à ce que cette séparation se fasse en conscience et dans le respect de chacun. Voilà, je vais laisser ça vous dire. Oui, bah, écoute, Isia, on est vraiment ravis de t'accueillir pour cette interview dans le cadre de l'Université de l'Amour. Ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît. Et c'est vrai qu'on ne va pas le cacher, hein, on a tissé une belle amitié dès le départ. Et en plus d'être presque voisin, hein, puisque tu as, créé un lieu qui est magnifique, que tu as appelé aux Éliances et qui est près de chez nous, dans les Yvelines. Donc ça, il y aura un moment, évidemment, on va en parler aussi, puisque ça fait partie, j'imagine, de ton travail. Et donc, voilà, bah, écoute, on est vraiment encore une fois ravis. Et puis, on voudrait peut-être que tu commences par te présenter tout simplement toi, parce que c'est vrai que tu as un parcours qui est très riche et on a tous envie d'en savoir un peu plus. Merci, écoutez, merci à tous les deux de m'accueillir. Je suis très, très touchée d'avoir l'occasion de parler d'un sujet qui m'est si cher, un sujet qui m'est cher et qui est pourtant très complexe et qui est très, très peu traité dans le cadre de l'accompagnement et d'une façon générale. Il y a très peu d'articles, très peu d'informations sur ce sujet et pourtant, combien de personnes se séparent sur cette terre? Voilà, donc ce sera avec grand plaisir que je vais passer un temps avec vous pour parler de la façon dont je conçois la relation consciente et la séparation consciente. Alors, en quelques mots, qui suis-je? Je suis une thérapeute, une guide relationnelle, une coach, une médiatrice, une facilitatrice relationnelle, et ce depuis une trentaine d'années. J'ai démarré ma carrière plutôt du côté professionnel, puisque je me suis occupée d'orientation de carrière, je me suis occupée de personnes qui étaient en transition professionnelle. Et c'est peut-être à cet endroit-là de ma vie que j'ai commencé à m'intéresser à la souffrance que pouvaient générer les séparations. Quand des personnes sont séparées de leur entreprise après 10, 15, 20 ans de bons et loyaux services, et que tout d'un coup, d'un seul, il faut envisager autre chose. Et dans ce cadre-là, j'ai eu beaucoup à accompagner des personnes en groupe et en individuel pour les aider à passer le cap, à faire des deuils, à comprendre le sens de ces séparations. Parce que pour moi, la séparation, c'est l'occasion d'une émergence spirituelle quelque part. C'est l'occasion de se remettre en question sur ce qui est bon et ce qui est juste dans notre vie. Voilà, donc c'est à ces moments-là que j'ai commencé à réfléchir à ce que c'était que se séparer. Et puis, je suis devenue thérapeute de couple, en particulier en me formant à la théorie relationnelle Imago. Voilà, une approche que j'affectionne tout particulièrement parce que je la trouve extrêmement puissante, très basée sur la connexion émotionnelle. Et en 2009, j'ai donc commencé ma formation et puis j'ai commencé à accompagner des couples. Et me voilà lancée dans une magnifique aventure de personnes qui, bien évidemment, venaient me voir parce que leur couple n'allait pas bien. Et au bout de quelques séances, si toutefois les choses n'allaient pas forcément comme souhaité, les couples pouvaient envisager de se séparer. Et moi, j'étais totalement dépourvue face à cette situation. C'est-à-dire que dans ma formation de base, je n'ai pas, bien même s'il y avait eu quelques heures et quelques modules sur le sujet, pas du tout suffisamment pour me sentir équipée de mon côté pour pouvoir accompagner d'une façon digne et d'une façon professionnelle des personnes qui sont en séparation. Et du coup, je restais un peu le bec dans l'eau en me disant « Mais que faire pour accompagner ce moment de souffrance, ce moment de difficulté ?» Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir et à me dire « Mais en fait, il y a des ponts à faire entre ce que je fais sur le plan professionnel et ce que je fais sur le plan de l'accompagnement des couples. » Et c'est là que j'ai commencé à concevoir toute cette formation. J'ai depuis formé plusieurs thérapeutes de couple à cette approche.
Et je dois vous avouer que je suis très contente d'avoir fait ce travail parce que pour moi, il était manquant. Voilà, pour moi, un thérapeute de couple est un thérapeute qui doit accompagner les couples dans tous leurs états, que ce soit les moments voilà, où ils veulent se raviver la flamme, se relancer dans une nouvelle aventure, les moments où ils ne savent plus, où ils sont dans un moment de discernement et ils viennent et ils arrivent en disant en fait on ne sait plus, ou l'un d'entre eux ne sait plus, ou bien le moment où effectivement bon, c'est la fin de quelque chose et pour autant il faut accompagner ce mouvement-là. Voilà ce qui me motive particulièrement. C'est un travail qui est ardu, qui demande beaucoup de finesse, qui demande beaucoup de doigté et qui en même temps, comment vous dire, qui est très gratifiant parce qu'il fait du bien. Voilà en quelques mots qui je suis. Et puis bon, pour rebondir sur ce que tu disais Sabrina, bon, j'ai voulu pousser le bouchon un petit peu plus loin encore en me disant que c'était bien d'accompagner les couples, mais peut-être de les faire d'une façon particulière en les accompagnant sur des journées, voire des week-ends. Et ça a fait partie des raisons pour lesquelles j'ai créé ce centre au vert, où j'ai des chambres, où j'ai aussi voilà, la salle dans laquelle je suis ce soir, que vous voyez derrière moi, qui permet aux couples de venir prendre un pas de côté et puis vraiment s'intéresser uniquement à leur relation, loin de leurs enfants, loin de leur travail. Et c'est vraiment très, très chouette de voir ce qui est possible de faire quand on est dans un lieu comme celui-ci. Oui, qui est un lieu qui est vraiment absolument magnifique, hein, et qui est tellement ressourçant au milieu de la nature. Moi, j'adore venir me ressourcer dans le jardin et dans cette salle aussi où tu te trouves, qui est magnifique. C'est assez particulier là où tu te trouves, puisque tu es à 10 minutes de chez nous, c'est-à-dire que nous sommes, toi comme nous, à la campagne. Mais quand on vient chez toi, on a l'impression d'être à la campagne dans la campagne. C'est assez spécial, quoi. Encore plus à la campagne. Lisa, je voulais te demander, tu nous as parlé de séparation, mais finalement, pourquoi c'est important de bien se séparer? Parce que on pourrait très bien penser, je ne parle pas dans le domaine professionnel, mais pourquoi pas dans le domaine professionnel comme en couple? Bon, voilà, on s'en va, quoi, c'est tout. Et puis on peut, si on veut quitter une relation, bah, on n'a qu'à la quitter, et puis c'est tout, quelque part. Et toi, tu proposes quelque chose de différent. Alors, j'aimerais savoir pourquoi. Écoute, c'est une excellente question, Guillaume, merci. Alors, pourquoi? D'abord parce que si nous n'arrivons pas à nous séparer complètement, et j'entends complètement, c'est-à-dire matériellement, économiquement, mais aussi psychiquement, émotionnellement, et c'est probablement la partie qui est la plus compliquée pour nous les êtres humains, eh bien, nous restons les pieds de plomb dans une histoire qui est passée. Il est difficile pour les couples qui ne font pas ce travail de se séparer en conscience. Je pense à des couples, par exemple, où l'un a voulu se séparer peut-être parce qu'il y avait une relation extra-conjugale et l'autre a subi cette relation extra-conjugale et s'est senti comme la victime de cette situation. Et donc, il y a quelque chose qui est faussé au niveau de la prise de responsabilité de part et d'autre. À ce moment-là, ce sentiment est de culpabilité d'un côté et de blâme et d'agressivité ou de colère de l'autre reste et peut durer des années et des années et des années avec du ressentiment, avec beaucoup de pensées toujours qui reviennent tout le temps, à un endroit où d'ailleurs, si ça perdure, les personnes peuvent potentiellement être en difficulté pour refaire une nouvelle relation de couple avec un nouveau partenaire, parce que ce deuil n'est pas fait, parce que ça reste encore très présent dans le champ émotionnel des personnes. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que dans la plupart des couples, il y a des enfants. Et quand des enfants viennent me voir, quand des couples viennent me voir et qu'ils se séparent, la question de la séparation est une chose, se séparer de son partenaire de vie est une chose, mais une autre chose, c'est de devenir un couple parental. Et un couple parental digne de ce nom, c'est un couple qui est en mesure de pouvoir continuer à dialoguer, de pouvoir échanger sur les difficultés des enfants, prendre des décisions ensemble pour les enfants tout au long de la vie de l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne adulte, que ce soit pour la scolarisation et pour toute autre question. Et un couple qui n'a pas fait son deuil et qui n'a pas pu se séparer en conscience
va avoir beaucoup de difficultés à vivre ce couple parental et va rejouer les conflits au travers des enfants. Alors, je ne veux pas dire que c'est systématiquement comme ça, mais en tous les cas, il y a de grandes chances que ce soit plus difficile d'ouvrir une relation, une communication saine au profit des enfants si la séparation ne s'est pas faite pour, consciemment. Donc, c'est un enjeu fort, très très fort, de pouvoir se séparer dans la paix. Et c'est difficile pour moi de vous dire, ah, parce que clairement de dire à quelqu'un, voilà, alors je vais me séparer et je vais me séparer dans la paix. C'est presque deux mots qui sont antinomiques. Mais pour autant, c'est possible. Faut-il que ces processus que je propose puissent se vivre et se donner aussi du temps pour que ça se fasse. Puis peut-être une dernière chose que j'aimerais te dire, Guillaume, par rapport à ta question. Ce que je remarque, c'est que, un petit peu d'ailleurs comme dans la vie professionnelle, voilà, nous vivons ensemble, une relation, c'est un début. Donc, il y a un moment où voilà, on se rencontre, voilà, on se trouve super, c'est l'état amoureux, tout est extraordinaire. Et puis, cet état, bien sûr, ne dure pas, hein, que ce soit dans la vie amoureuse ou dans la vie professionnelle. Hein, quand on recrute quelqu'un pour la première fois, on trouve qu'il va faire des trucs absolument génial, qu'il va tout changer dans l'entreprise. Et puis, bon, après, bien évidemment, on voit les choses telles qu'elles sont avec des yeux plus ouverts. Et c'est normal, ça fait partie de l'évolution de la relation. Puis, le deuxième temps, c'est le temps de l'attachement. Le temps où on va commencer à construire, il va se passer des choses. Et puis, le troisième temps, si c'est le cas, c'est un temps de la séparation. Et pourquoi je vous en parle, c'est que quand il y a dans l'attachement des moments qui sont difficiles, parfois, souvent d'ailleurs, dans les relations, on va peut-être commencer à se suradapter, à dire non, mais c'est pas possible, il faut que je tienne, ou il y a les enfants qui sont là, ou oui, mais enfin bon, on a construit tellement, enfin, il y a plein de multiples raisons qui fait qu'on n'a peut-être pas forcément toujours envie de faire face à cette idée de la séparation, même si c'est dans, voilà, c'est dans l'arrière de la boutique, là, comme ça. Et pour autant, quand ça commence à devenir trop, c'est-à-dire qu'il y a un stress supplémentaire, que là, ça s'ajoute, alors c'est là où il y a des risques de passage à l'acte. Et quand j'entends passage à l'acte, c'est-à-dire, oh, j'en ai marre, je fais tout péter, ou alors je tombe amoureux de la première personne qui est là parce que vraiment, j'en en peux plus et il faut absolument que mes besoins qui ont été négligés pendant tant d'années puissent enfin être entendus. C'est comme une espèce de bouffée d'air qui est là pour venir soulager la souffrance d'un attachement qui est compliqué. Et dans ces moments-là, la séparation devient un peu comme une espèce de bombe où il faudrait que les choses soient réglées du jour au lendemain ou très rapidement, à un moment où justement, ce serait important de pouvoir se poser, pour pouvoir se dire au revoir, pour pouvoir honorer tout ce qui s'est passé de positif dans la relation pendant l'attachement, pour pouvoir aussi dire adieu aux choses difficiles. Et donc tout ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, que ça a besoin d'être posé. Voilà pourquoi c'est si important, Guillaume, de se séparer dans la paix et dans la conscience. C'est le signe de se sentir libre, totalement libéré de cette relation et de la regarder comme une étape dans notre vie qui a été bonne pour ce qu'elle nous a apporté de bon. Et ce qui a été bon aussi pour ce qu'elle nous a fait souffrir et du coup, ce dont on a appris. Grâce à ça. Oui. Moi, je voulais te revenir sur une notion que tu utilises dans le cadre de ta formation, qui est la notion de jachère. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots dans le cadre de cette interview? Oui, bien sûr. Alors, peut-être que je vais remonter un petit peu, rembobiner le fil pour vous dire qu'en général, quand un couple m'appelle, c'est parce qu'il y a trois types de demandes, en fait. Elles ne sont pas toujours explicites, bien sûr, mais à force de discuter ou au téléphone, dans une première rencontre, ça devient assez évident. Alors, il peut y avoir, par exemple, des couples qui sont en difficulté. Ils savent qu'ils s'aiment, mais pour autant, voilà, il y a des difficultés relationnelles, des difficultés qui sont liées à des moments de vie, peut-être parce que les enfants sont compliqués ou parce qu'il y a des problèmes au travail ou parce que voilà, il y a du stress. Mais globalement, le couple sait qu'il n'a pas de volonté de se séparer, simplement ils ont besoin d'apprendre à s'aimer différemment, à reconcevoir leur vie de couple autrement. Et ça, on pourrait dire que c'est une des demandes et c'est un accompagnement où je pourrais être le guide relationnel de ces personnes pour qu'ils puissent redonner de l'énergie à leur couple. Et puis, il y a un deuxième cas qui est le cas où bien l'un des deux, par exemple, veut partir et pas l'autre.
moi je veux me séparer et ma femme ne veut pas, ou vice versa. Ou bien un couple qui dit, écoutez, ça fait quand même plusieurs années que, voilà, on est grosso modo en colocation, voilà, on élève les enfants ensemble, on fait plus tellement lié à part, on fait souvent lié à part ou quasiment tout le temps, voilà, on est des bons amis, mais finalement, il y a plus la flamme, quoi, elle est plus là. Et on se demande franchement ce qu'on fait ensemble, ou de temps en temps, on se pose la question, de temps en temps, on se dit, oui, ça vaut quand même le coup, mais on ne sait toujours pas si on a envie de se séparer ou pas. Et voilà, dans ces cas-là, quand il y en a un des deux qui veut et l'autre pas, ou bien quand il y a une hésitation de part et d'autre, je propose un espace qu'on appelle un espace de discernement. Et donc, c'est un. Alors, je vais vous dire, autant pour moi que pour les couples qui viennent me voir dans cet espace-là, c'est un espace qui est, je dois vous avouer, assez inconfortable. Pourquoi inconfortable ? Parce que c'est un espace dans lequel on accepte, les trois ensemble, de ne pas savoir d'emblée. De tenir cet espace, on va explorer, voilà, le pourquoi, le comment, ce qui émane émotionnellement, et il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de travail, et ça peut durer une journée, peut-être voire deux, parfois trois, jusqu'à ce que quelque chose arrive comme une évidence, et qui fait qu'en fait, à ce moment-là, le couple prend sa décision ensemble. Et la lutte de pouvoir est dissoute. Et c'est ça qui compte. C'est que la lutte de pouvoir qui a amené le couple jusqu'à l'envie de se séparer puisse se dissoudre au profit de la relation consciente où les deux décident, ah bah oui, on se sépare, ou non, mais en fait, c'est la plus belle connerie qu'on aurait à faire. On y va et on reconstruit quelque chose ensemble. Ça, c'est les deux issues du discernement. Et bien évidemment, si le discernement va vers la séparation, alors j'accompagne le couple pour qu'il puisse vivre une séparation avec les décisions qui s'imposent et qui se proposent pour que tout se passe bien, et en particulier avec les enfants. Et alors, c'était un grand détour pour parler de la jachère. Je n'ai pas perdu mon fil. Donc, dans le point 2, ce que tu nommais tout à l'heure, Sabrina, qui est la jachère, c'est un temps qu'il m'arrive de proposer, où je propose au couple de se séparer temporairement. J'appelle ça un peu, vous savez, comme quand on enlève les nœuds d'une pelote, on les défiloche, hein, parce que quand on est ensemble tout le temps, ben voilà, il peut y avoir de la réactivité émotionnelle, on va commencer à s'énerver, etc. Ou au contraire, comme on est tout le temps ensemble, on ne sait pas ce qui nous manque, puisqu'on n'a pas l'expérience de ne pas être en lien. Et c'est important pour discerner, d'avoir ces moments où on se retrouve avec soi, et on peut, dans la solitude, dans la méditation, dans les marches, dans des moments où on ne va pas fuir dans d'autres activités pour justement ne pas penser à cette situation. Mais c'est vraiment un moment où on va pouvoir en fait entrer un peu comme une forme de retraite, où là, des choses peuvent émerger grâce au fait qu'on est séparé temporairement et qu'on est face à soi-même et face à la décision à prendre. Et c'est un exercice extrêmement puissant. Alors, ça demande beaucoup de discipline, parce que si par exemple il y a une relation extra-conjugale, ben, le mieux ce serait que les deux partenaires s'abstiennent de voir cette personne pendant le temps de jachère. Ça demande aussi de tenir peut-être un journal, d'avoir vraiment une démarche personnelle au service de la relation de couple. Et l'issue, la jachère, elle peut être de toutes sortes. Et ça m'est arrivé, pour être très honnête avec toi, c'est Sabrina, je peux te donner des exemples, par exemple, de couples où elle qui voulait se séparer, et le monsieur qui préférait justement relancer la relation. Et à la sortie de la jachère, c'est l'inverse qui s'est partagé. D'accord. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, ça ne veut pas dire que quand c'est l'inverse, la situation est réglée. Hein. Moi, il me reste encore du travail à faire, parce que je ne lâche pas le coup tant qu'ils ne sont pas d'accord tous les deux sur la décision à prendre ensemble. Okay. Oui, il n'y a pas de victime, pas de bourreau dans les relations. Ça, c'est pas possible. Il y a une responsabilité de part et d'autre.
Et dans ce processus de discernement, que je comprenne bien, c'est vraiment à base de dialogue, que ce processus, c'est vraiment qu'à partir des dialogues, exclusivement, le travail. Oui, il y a des dialogues, il y a du travail sur les parties inconscientes, par exemple, la personne qui manifeste le désir de se séparer peut avoir une partie plus inconsciente qui est de ne pas vouloir se séparer. Mais elle ne sait pas ça. Donc, moi, je vais inviter ceux avec des exercices, avec des expériences, de pouvoir aller contacter cette partie-là. Et puis, pareil, de l'autre côté, la personne qui veut absolument rester n'est peut-être pas consciente de toute la frustration qu'elle vit dans cette relation et elle a besoin d'accueillir ça aussi. Hein, donc, il y a beaucoup d'honnêteté, de sincérité qui s'opère dans ce travail et beaucoup d'empathie, d'écoute mutuelle. C'est très important. Même quand il y a une relation extra-conjugale dans le champ, hein. J'ai envie de te demander justement de préciser encore un peu plus ce que c'est que cette phase de discernement qui est essentielle. Là, tu nous as présenté la jachère, qui est un des moments possibles de la phase de discernement. Et puis tu viens de parler du travail sur les parts inconscientes, mais j'ai bien compris que l'enjeu, c'est finalement arriver à une décision commune, c'est ça? Et en même temps, tu le délimites dans le temps. Parce que c'est ça. Ça ne peut pas durer plus que, je crois, trois jours. Trois rencontres. Donc, au-delà d'arriver à une décision commune, quel est l'enjeu du discernement de cette phase si importante? L'enjeu, c'est d'écouter son partenaire c'est d'écouter son partenaire pour pouvoir comprendre en fait comment il en est arrivé là. Et pouvoir s'écouter soi aussi pour voir comment la relation en est arrivée là. C'est aussi un moment où on va ensemble explorer la question de l'amour. Voilà, est-ce que j'aime encore mon partenaire? Est-ce que l'envie de se séparer émane de difficultés relationnelles? Je vais peut-être prendre un petit détour pour dire ce que je dis souvent dans le moment du discernement à mes couples. Je leur dis, écoutez, un couple qui est en bonne santé, il est assis sur un tabouret à quatre pieds. Un des pieds, c'est la communication. C'est un couple qui est en mesure de pouvoir partager régulièrement ce qui se passe entre eux, les frustrations, qui gère bien les conflits. C'est un couple qui a des activités en commun, ça peut être des centres d'intérêt en commun, où ils peuvent se retrouver les week-ends, les soirs à faire des choses, alors pas toujours les chemises, parce que voilà, c'est selon les couples, il peut y avoir bien évidemment et heureusement des activités faites sans son partenaire, mais qu'il y a un petit noyau de quelque chose qui fait qu'il y a des discussions et un intérêt commun pour quelque chose. En fait, on n'est pas obligé de travailler comme Kevin et moi pendant 20 ans ensemble. ou bien après, donc ça c'est le deuxième. Le troisième, bien évidemment, c'est les projets. Parce qu'un couple qui vit longtemps, des décennies, une fois après avoir eu des enfants, c'est un projet magnifique en soi, peut-être d'avoir retapé une maison ou un appartement, voilà. Que se passe-t-il après? Comment je vais vivre mon amour au travers de projets qui fait que chaque chose, qu'il y a quelque chose qui se renouvelle dans l'énergie? Et puis, bien sûr, la sexualité, qui est le quatrième et qui est un ciment pour le couple. Donc, tu vois, quand tu parlais de qu'est-ce qu'on élabore pendant le discernement, ça fait partie des choses que je vais commencer à travailler. Je dirais, où est-ce qu'il en est, votre tabouret? Où est-ce qu'il en est? Et quand un couple me dit, on n'a pas de centre, d'intérêt en commun, on n'a plus de sexualité, on communique très très mal, et en plus, on n'a pas de projet, je suis là, bon, ça ne va pas être facile! Oui. Voilà, donc c'est ça, c'est aussi pour parler du discernement, c'est quand je te disais, tu sais, Guillaume, que c'est une question de discerner justement s'il s'agit du fait qu'au fur et à mesure des années, il y a un costume de survie qui s'est installé sur le plan relationnel qui fait que les systèmes de défense se sont mis en place et que des murs se sont érigés.
et qui fait que l'amour s'est enfoui dans une voilà il y a sous un tas de braises toute voilà qui est mort. Et il suffit juste de dépiauter ce système de survie pour que l'amour rejaillit. Et ça, c'est possible, quand l'amour est là. Maintenant, il y a des couples qui le disent, ils arrivent et disent « Mais en fait, moi, je n'ai plus d'amour pour toi. Hein, c'est vraiment l'habitude qui me fait rester. Ce sont les enfants. Parfois, c'est la peur de quitter. Parce que dans la séparation, il y a aussi toutes les blessures d'enfants qui se réveillent. Hein, de rejet, d'abandon, de peur de la solitude. Et parfois, ça peut être une simple et une bonne raison pour ne surtout pas se séparer. Peut-être pas la bonne raison, mais ça peut en être une. C'est pas une raison qui est en faveur de l'amour. Ouais. L'amour, c'est la liberté hein, de pouvoir aimer l'autre pour qui il est et s'aimer soi-même pour qui nous sommes. Et qu'il y a un espace relationnel pour cela. Et si nous restons uniquement par besoin et nécessité, ça met en péril l'énergie de l'amour. Justement, il n'y a pas de couple dans lequel l'un des deux n'est pas en mesure de se séparer de l'autre parce que, par exemple, la situation économique fait que ce n'est pas possible. Enfin, je pense en particulier aux femmes qui ne travaillent pas. Il y a un certain nombre de couples qui sont structurés avec l'homme pourvoyeur de besoins et la femme qui s'occupe de la maison. C'est un modèle qui existe, qui est encore courant. Et que se passe-t-il alors dans ces cas-là? Quand un couple comme ça vient te voir, qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'est une excellente question, Guillaume. Ça m'est arrivé plusieurs fois hein, d'avoir ce genre de situation à traiter. Et en fait, tout simplement, c'est quelque chose qui s'élabore à deux, hein, avec le couple. Pendant, s'ils sont tous les deux d'accord pour se séparer, nous allons garder ensemble les possibilités pour faire en sorte que ce soit possible pour que chaque personne puisse être autonome dans cette séparation. Donc, la séparation des biens, la séparation de la, voilà, une pension alimentaire qui peut être versée de façon à ce que voilà, le partenaire qui est le plus fragilisé sur le plan financier puisse s'en sortir. Et je dois vous avouer que ce travail que je fais, mais il est extraordinaire parce qu'il évite tout combat au travers des avocats. Voilà, les gens sont calés quand ils sortent de chez moi et ils disent « Ok, on va y arriver comme ça. » Voilà, il y a un engagement mutuel pour que ce n'est pas uniquement de se séparer qui compte, c'est aussi de préparer le fait que séparément, ils vont pouvoir être autonomes sur tous les plans. Alors, de manière un peu plus large, est-ce que tu peux nous donner les conditions qui sont là pour qu'une séparation se passe bien? Alors, la première des choses, c'est de nettoyer tout l'espace émotionnel, les scories émotionnelles. Parce que une séparation qui se fait alors qu'il y a eu un attachement difficile, plusieurs années, peut-être parfois avec de l'agressivité, de la violence, ou au contraire de la négligence, il y a beaucoup de ressentiments qui subsistent. Donc la première des choses, c'est d'aider le couple à nettoyer tous ces endroits de scories émotionnelles en passant par des moments de remerciement pour ce qui a été reçu et ce qui a été donné, et puis des moments de pardon. Donc ça, c'est vraiment une des premières des choses. Alors, quand je dis que c'est une première des choses, et en même temps, dans le temps, c'est peut-être pas tout de suite ce qui va venir. Hein. Il faut être très honnête. Donc, moi, je cueille le couple là où il arrive, et puis je tisse avec eux quand ils sont émotionnellement capables d'en arriver là. Et je me rends compte aussi que ce point-là qui est capital peut être aussi abordé quand d'autres points sont abordés, comme par exemple, ok, si nous ne vivons plus ensemble, comment ça va se passer? Est-ce que on va vendre l'appartement? Est-ce que ça va être possible pour moi de me reloger? Et les enfants, est-ce qu'ils vont rester dans la même école? Est-ce que tu vas pas aller travailler l'autre bout de la France, etc., etc. Quels sont les engagements mutuels que nous offrons qui fait que cette séparation va bien se passer? Et ça apporte de la paix et ça permet au contenu émotionnel de s'apaiser.
Donc, c'est vraiment les deux chemins, tu vois, Sabrina. C'est un chemin à la fois émotionnel et puis à la fois un chemin aussi très pratique et très ancré dans le concret, des décisions à prendre ensemble pour qu'il y ait la fabrication d'un futur possible. Et pas une espèce de grand trou noir plein d'angoisse. Oh, on n'est plus ensemble, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je vais m'en sortir? Et toutes les angoisses qui peuvent arriver autour de, ben voilà, et si tu vas travailler à Tambouctou, comment on va faire avec les enfants et la garde partagée? Est-ce que pour les papas aussi, c'est quelque chose qui peut être extrêmement difficile d'envisager la séparation s'ils savent qu'ils ne vont plus voir leur petit qu'une fois tous les week-ends, un week-end tous les 15 jours. Donc, pour certains, ça va être très important de s'assurer qu'ils vont pouvoir continuer à jouer leur rôle de père. Hein? Parce que tu parlais tout à l'heure de la difficulté pour certaines femmes de pas sur le plan financier, mais il y a aussi des difficultés pour les hommes, hein, la séparation. Donc, tu vois, ce sont ces deux chemins qui sont à tenir conjointement. Et une fois que ça s'est fait, en général, moi, je sens bien, il y a à un moment donné quelque chose qui se pose. Et puis là, OK, maintenant, on peut agir. Il y a aussi la question de la communication, tu sais, Sabrina. C'est bien de dire, OK, on se sépare, mais pour beaucoup de couples, c'est qu'est-ce qui va se passer avec la famille immédiate, les parents, les grands-parents, les amis, voilà. Comment est-ce qu'on va pouvoir rester amis avec les amis de l'un et de l'autre? Toutes ces questions, c'est un raz-de-marée, une séparation. Donc tout ça a besoin d'être abordé et être abordé dans un espace paisible pour que il n'y ait pas, bien sûr, qu'il y ait le moment des pleurs, hein, et puis de la colère, c'est possible, mais aussi un moment plus apaisé, plus réfléchi, plus distancié. Tu parlais de distance, enfin de capacité, j'imagine, à prendre un peu de recul par rapport à une situation qui est une situation émotionnellement très difficile, enfin très engageante. Et moi, je me pose la question, il y a la séparation et puis que devient la relation qui a disparu? Il y a un travail là qui s'apparente, j'imagine, à une forme de deuil, en fait, quelque chose comme ça. Comment tu accompagnes ça? Oui, alors écoute, là, c'est une question extrêmement capitale, ce que tu viens de poser. De la même façon que je l'enseigne pour les personnes qui se séparent de leur job, on a parlé du mot jachère, tu sais, tout à l'heure, qui était une jachère qui permettait de réfléchir et d'être dans le discernement. Eh bien là, pareil, une fois que la séparation est actée, j'invite vraiment les personnes à limiter dans un premier temps les contacts, sauf bien évidemment pour ce qui concerne les enfants. Mais il ne s'agit pas de... bien évidemment qu'une fois que le contenu émotionnel, tu sais, je donne toujours cet exemple de quelqu'un qui vient de vivre une rupture amoureuse et qui regarde le compte Facebook de son doux et tendre, et à chaque fois qu'elle voit la photo, là, c'est le cœur qui tombe mouchi mouchi, etc. Puis à un moment donné où cette photo, elle finit par plus rien faire, c'est bon, quoi. J'ai fait le deuil, voilà, je suis plus le cœur en morceaux à chaque fois que je le vois et qu'il apparaît sur mon écran d'ordinateur, tu vois. Mmh. Et bien là, c'est pareil, c'est ce défilochage émotionnel, il prend du temps. C'est pas le temps, le cerveau limbique n'est pas comme le cortex, c'est pas une chose qu'on peut claquer du doigt et dire bon, ça y est, je suis séparé, c'est bon, quoi. Maintenant, on va manger avec les enfants tous les dimanches, le midi, le poulet rôti et les pommes de terre. peut-être qu'il faut et être vigilant, discipliné, mais expliquer aux enfants que c'est dans un premier temps, papa et maman, voilà, on va peut-être pas non plus se voir tout le temps parce qu'on a besoin de s'habituer à ne plus se voir, avoir une vie différente l'un sans l'autre. C'est important pour nous de nous habituer à cela. Voilà. Et en fait, le cœur sait le moment où c'est OK. Parce que, en fait, on n'a plus le cœur qui bat la chamade quand on voit l'autre, on n'a plus des colères qui remontent, on est juste très, très paisible. Et là, c'est le moment où c'est possible. Voilà, moi, je connais des couples, hein, qui sont séparés depuis longtemps, et qui, je connais un couple, je trouve ça merveilleux.
ils sont séparés et ils gardent leurs petits-enfants ensemble. Ah oui. Bon, mais ils sont séparés depuis 20 ans. Lui, il a une vie avec une autre femme. Ils sont à trois. Ils élèvent le petit pendant les vacances scolaires. Ils sont ensemble et ça se passe super bien. Mais ils ont fait ce travail de dire au revoir. Il n'y a plus de scories. Il n'y a plus de... Ça, ce qui est important, c'est de savoir qu'un deuil prend du temps. Et nous vivons une société dans laquelle il faudrait que les choses arrivent très efficacement. Et un cœur ne fonctionne pas de façon efficace. Voilà. Mais l'écouter, le prendre en compte, ça, c'est efficace. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Ça, c'est efficace. Écouter sa colère, la respecter, écouter sa tristesse, voilà. Et ne pas se refaire harakiri tous les deux matins. Prendre soin de soi. Même si c'est difficile, il vaut mieux faire ça. Et dans ces groupes, il y en a un qui veut se séparer et pas l'autre, qui est le cas presque général, j'imagine. Tu n'as pas des demandes de justement celui ou celle qui ne veut pas se séparer. Si, mais moi, je veux absolument rester l'ami de mon ex-conjoint. Bon, d'accord, on se sépare, mais je veux qu'on puisse se voir souvent, se parler, je ne sais pas quoi. Partager le compte Facebook, etc. Comment ? Aïe, 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 partager le compte Facebook. Et là. Ça, c'est vraiment la porte ouverte pour beaucoup de bobos. Mmh. Une fois, j'entends parler de ça. Ah, je l'ai vu avec sa future, sa nouvelle compagne. Voilà, c'est... Excuse-moi, je t'ai interrompu, Guillaume. Quelle était ta question ? Non, ma question c'est comment tu gères ça. Si tu as cette configuration-là, parce que tu viens d'évoquer le travail de deuil, et là, je te mets un cas de deuil compliqué. Le cas de deuil compliqué, c'est quand il y en a un qui... Quand il y en a un des deux qui veut absolument rester impérativement l'ami de l'autre, ce qui signifie dans son esprit être en contact fréquent, etc. Quoi. Et l'autre ne veut pas. Non, l'autre est d'accord, mais est-ce que c'est l'autre vraisemblablement qui sera en surface d'accord parce qu'il est chargé de culpabilité. Oui, c'est ça, voilà. Tu vois, donc il dira oui, bien sûr, bien sûr, tu vois, mais c'est pas pour éviter de faire mal, parce que si c'est l'autre qui a initié l'élan de séparation, il va être forcément, il y a de grandes chances qu'il soit chargé de la culpabilité d'avoir été moteur de cette séparation, et donc il est capable de céder à beaucoup de propositions juste pour que pour faire un petit peu moins mal. Oh, ok, d'accord, on restera, mais c'est sûr, il n'y a pas de souci. C'est pas toujours les réponses, mais ça peut se comprendre en tous les cas. Ouais. Ce qui est important dans ce que tu dis, Guillaume, c'est que pour moi, quand quelqu'un veut se séparer et pas l'autre, c'est une lutte de pouvoir comme une autre. Et tu sais, toi qui es thérapeute de couple comme moi, on a appris que la lutte de pouvoir, on la retrouve, sauf dans l'état amoureux où là, bien évidemment, elle n'existe pas puisqu'on est drogué à donf, on en a partout là, de belles hormones qui nous font voir les étoiles en plein les yeux et dire « Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime !» Voilà. Une fois que ce moment-là est terminé et qu'on rentre dans l'attachement, alors il y a des danses qu'on appelle la danse de survie où le couple va mettre en scène une lutte de pouvoir qui est la... Voilà, qui est la scène des égos qui se rencontrent. Et pour moi, quand il se joue, par exemple, une opposition comme ça, une polarisation, moi je veux, moi je ne veux pas, c'est l'expression, encore une fois, du lutte de pouvoir. Et donc, je la traite comme si c'était dans l'attachement. Et d'ailleurs, je leur pose la question, comment vous faisiez quand vous étiez ensemble, quand vous n'étiez pas d'accord? Et ils me racontent. Et je retrouve exactement les mêmes systèmes. Donc, une fois que ça est fait, eh bien, mon travail de thérapeute, il est facile, en fait, pour aider le couple à sortir de la lutte de pouvoir par l'écoute consciente. Par l'écoute consciente qui consiste à dire, voilà, donc, quand tu veux ça, qu'est-ce que tu veux, voilà, je peux peut-être pas tout expliquer, mais c'est quelque chose qui est assez facile, en fait, en passant par la danse de survie, et puis aussi, bien sûr, en passant par l'exploration des blessures d'enfant.
Il faut quand même préciser une dernière chose. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'une telle évidence, mais en même temps, c'est toujours pareil. Hein, ce qui est évident a besoin d'être dit 10 fois, 15 fois, 20 fois. C'est que s'il y a bien un lieu de la relation qui ravive les blessures d'enfant, c'est la séparation. Voilà, ça réveille les séparations, la première, hein, celle d'avec notre maman, voilà, des premières séparations que nous avons vécues quand nous étions enfants, des ruptures de liens, ou bien au contraire des liens qui n'ont pas pu se rompre, dont on a été esclaves, voilà. Enfin, donc ça vient vraiment rejouer beaucoup de choses pour nous tous, et en fonction de l'histoire de chaque personne, bien évidemment que les contenus émotionnels peuvent être très forts, hein. Et peuvent, de temps en temps, d'ailleurs, être forts parce qu'ils viennent réactiver quelque chose du passé et pas avoir grand-chose avec ce qui se passe dans l'instant. Hein. Oui. Un petit peu quand même, mais voilà. C'est en tous les cas très réactivé par des blessures anciennes. Et ça fait partie du travail qui a besoin d'être fait pour qu'on puisse discerner justement ce qui appartient à des séparations anciennes et ce qui appartient à la séparation d'aujourd'hui. Du coup, par rapport à ce que tu viens d'évoquer là, Isia, au moment de la séparation d'un couple, enfin, quand le processus est lancé, tu conseilles parfois que chaque personne du couple fasse une thérapie ou soit accompagnée individuellement en parallèle pour parler de blessure ou... Bien sûr, si c'est trop difficile, bien sûr. Je peux conseiller ça, je peux aussi les voir individuellement aussi dans le cadre du travail fait avec moi. Alors, pas sur une longue durée, mais temporairement, oui, une ou deux fois. Pour vraiment travailler sur la blessure, en fait, cette blessure, elle s'éveille à ce moment-là, particulièrement. Oui, et puis, il y a aussi quelque chose qui me vient quand tu dis ça aussi. Il y a tout aussi la représentation que nous avons du couple qui est lié à notre propre couple parental. Et notre propre histoire d'enfant liée au couple. Hein. Moi, quand j'étais enfant, je me rappelais de Cendrillon et du Prince Charmant et voilà, du fait que j'allais rencontrer quelqu'un et puis ce sera jusqu'à la vie et la mort. Et j'imaginais pas autre chose que ça. Mais des personnes comme moi, dans le côté fleur bleue que j'étais quand j'avais 20 et 25 et 30 ans, mais quand ils apprennent de la part de leur partenaire qu'ils veulent se séparer, c'est comme un coup de tonnerre dans le ciel. C'était pas inscrit dans le paysage. Hein. Alors que par exemple, si vous êtes l'enfant d'un couple parental qui où le papa s'est marié deux fois, la question de la séparation a déjà été vécue, a déjà été supportée. Tu sais, je dis quelque chose que j'aime beaucoup dire, en fait. Hein. Je dis bien évidemment que nous, les êtres humains, on arrive dans la vie d'adulte, nous ne sommes pas émotionnellement mûrs. Hein. À 20 ans, on n'est pas émotionnellement mûrs. Hein. On a toute la vie d'adulte pour le devenir. Et même la vie d'adulte, ça ne suffit pas pour beaucoup d'entre nous. Hein, être conscient, être en mesure de pouvoir s'accueillir dans nos blessures, dans nos émotions, et pouvoir accueillir l'autre dans sa réalité différente. Ça, c'est un enjeu de la vie d'adulte. Et dans cet enjeu-là, nous avons deux axes à travailler, nous les êtres humains. Le premier, c'est à savoir s'attacher pleinement. Pleinement, c'est-à-dire offrir son cœur, offrir sa disponibilité, offrir qui nous sommes et notre réalité vraie, pas cachée, pas suradaptée. D'être là pleinement dans l'attachement et pouvoir accueillir l'autre pleinement dans l'attachement. Déjà, ça, c'est un énorme boulot. Voilà, de pouvoir travailler ça, de pouvoir explorer ça. Et ça, c'est la relation consciente. Et puis, un deuxième point, c'est de savoir se détacher pleinement. Parce que tout ce qui commence un jour se termine. Quelle que soit la chose, quelle que soit la relation, ça se terminera. Et nous ne sommes pas dans une culture anglo-saxonne, occidentale, qui nous invite à penser à ça au quotidien. Hein, moi, tu sais, par exemple, Sabrina, je suis red dingue de mon petit chien Tao, qui vit avec nous depuis 6 ans. Ben, des fois, le matin, je le regarde, puis je dis, ben, merci d'être dans ma vie, c'est trop beau, t'es dans ma vie. Puis des fois, je le regarde, je fais, OK, 6 ans, 7, 8, peut-être 14, 15. Donc, dans 6 ans, tu ne seras plus avec moi.
Hein, et je pense à tous ces moments que j'ai encore avec lui et au moment où il ne sera plus là. Voilà. Et c'est une façon pour moi de vivre un attachement plein, de m'assurer que tout ce que je vais faire avec, avec lui, pendant tout ce temps qu'il sera encore dans ma vie, eh bien, ce sera tellement fort que le jour où il partira, je serai prête à le quitter. Et tu vois, le travail qui est à faire pour nous tous, de profiter tellement de nos liens que si un jour nous devons perdre quelqu'un, ou par accident, ou par volonté, eh bien, nous n'avons plus de regrets. Ce que nous avions à vivre a été vécu. Ce que tu dis là, Isia, m'évoque un livre que je suis en train de lire, qui est le dernier, le tout dernier, probablement l'ultime livre de Irvin Yalom. Mmh. Irvin Yalom, qui est notre maître à tous, hein, psychothérapeute, monde entier. qui a perdu sa femme Myriam l'année dernière. Et Irvin Yalom a écrit ce livre en ayant 88 ans. Donc aujourd'hui, il doit en avoir 89. Et en fait, sa femme a été atteinte d'un myélome multiple et elle savait qu'elle allait en mourir. Et ils ont décidé d'écrire ce livre ensemble parce qu'il était clair qu'à un moment donné, elle mourrait. Et donc, c'est un livre sur la mort, l'approche de la mort. Et qu'est-ce qu'on peut en penser quand on a 88 ans et que même si on est en bonne santé relative, dans son cas à lui, et qu'on sait qu'on va survivre probablement à la campagne de toute une vie, puisqu'ils ont 70 ans de vie commune quand même, c'est pas mal. 15 ans, je crois, de vie commune. C'est quand même assez énorme. Il sait qu'il ne va pas lui survivre longtemps. Les chances s'amenuisent de jour en jour. Et donc, il y a une vraie réflexion sur la mort. Et la première chose que disent les deux, parce que chacun écrit ses chapitres dans son livre, la première chose qu'ils disent, c'est que, en fait, chacun d'eux est en paix avec l'idée de mourir, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir eu une vie magnifique, excellente. Ils n'ont aucun regret de tout ce qu'ils ont fait. Voilà. Livres qu'ils ont écrits, ces cours qu'ils ont donnés, ces pays qu'ils ont visités, etc., etc. Et que, n'ayant aucun regret, eh bien, et sachant que la mort est inévitable, ils sont en paix, ils n'ont pas d'angoisse de mourir. Et je trouve que c'est très similaire à ce que tu viens de nous expliquer sur la relation. Bien sûr, Guillaume. La séparation, en fait, ça nous met face à la mort, face à la fin. Et bien évidemment que c'est quelque chose que nous avons beaucoup de mal à regarder en face, nous les êtres humains, hein, pour la plupart d'entre nous. Et pouvoir supporter, au sens de souffrir, la séparation, c'est nous préparer à la mort, à la grande fin. Donc c'est aussi un acte, de ce point de vue-là, c'est aussi un acte très spirituel. Et quand je te disais qu'on n'était pas, on n'est pas égaux par rapport à cela, imagine-toi par exemple si tu as un petit garçon qui a vécu toujours dans le même village, dans une famille bien aimante, et que tu n'as pas jamais déménagé de ta vie, que tes parents étaient toujours ensemble, etc. Et que tu n'as pas eu l'occasion quand tu étais enfant de vivre des séparations. Par opposition, si tu as été l'enfant de parents expatriés que tu as dû aller vivre dans 6 ou 7 pays. Moi, je sais que quand j'ai connu Kevin, il avait déménagé, quoi, je crois, 20 fois. On s'est marié à 20 ans, il avait déjà déménagé 20 fois. Alors lui, le changement, c'était un bouton à l'endroit, un bouton à l'envers, quoi. C'était tout le temps. Moi, j'avais jamais déménagé de ma vie. Et donc, c'est sûr que tu n'appréhendes pas la séparation de la même façon, si sur le plan psychique déjà dans tes premières années de vie, tu n'y as pas été confronté. Ou bien, si au contraire, tu y as été confronté de façon violente, la perte d'un parent ou d'un être cher très tôt, et on ne t'a pas préparé à cela. Donc, tout ça est éminemment subjectif, et bien, quand un couple se sépare, tout ça est réveillé. Sa relation à la mort et puis sa relation à toutes les séparations précédentes. Oui, c'est ça. Isia, est-ce que tu as des conseils à donner aux thérapeutes, aux coachs aussi, sur l'accompagnement à la séparation des couples? Oui, écoute,
J'ai quelques petites choses à dire. La première que j'aimerais dire, c'est n'ayez aucune intention, n'ayez aucune volonté pour un couple. Un couple est là pour faire son propre chemin, quel que soit le chemin qu'il a besoin de faire, que de reconstruire, que de discerner, que de se séparer. Et que nous, notre seul objectif, notre seul, comment dire, je ne sais même pas l'objectif, c'est notre seule intention, c'est d'offrir un espace de dialogue et d'être là pour conduire un processus. Je pense que quand nous avons la volonté de vouloir faire en sorte qu'un couple se remette ensemble, ou au contraire qu'il se sépare, ou que, voilà, que nous ayons une volonté pour le couple, c'est là où en fait, on fait cafouiller le travail. D'accord. Je peux me permettre de parler comme ça. Ça, c'est la première des choses. Et puis, voilà, c'est ce que j'aimerais dire déjà en premier. C'est important. Et puis aussi, faire un propre travail sur soi, sur comment nous vivons la séparation, nous, en tant que thérapeutes, comment nous les avons vécues. Est-ce que nous avons vécu des séparations dans notre couple ou pas? Comment nous les avons vécues? De façon à ce que nous soyons clairs déjà avec nos propres vécus émotionnels vis-à-vis de la séparation. C'est très, très important. Ouais, ça, c'est sûr. Bon, si tu as d'autres questions. Mais j'en ai une. Alors, je pense que tu y as déjà répondu en creux, mais moi, j'adore poser plusieurs fois les mêmes questions, de toute façon. Parce que j'ai l'impression de mieux comprendre la troisième fois que la première. Je vais te demander, quels sont, si tu pouvais nous indiquer, nous faire la checklist des conditions de séparation qu'on pourrait appeler une séparation réussie. OK. Donc, une séparation réussie, c'est une séparation dans laquelle le couple a pu s'offrir du pardon, du merci, qu'il a pu s'écouter sur les souffrances mutuelles, qu'elles ont été reconnues de part et d'autre, et où il a été décidé d'un commun accord que c'était la juste décision de se séparer et qu'il n'y a pas un qui tire l'autre vers cette décision. Ça, c'est vraiment un point très, très important. Le deuxième point, c'est qu'il soit décidé des décisions de séparation qui soient justes et qui soient créatives, mais justes, pour les deux partenaires, pour que la vie d'après soit abordée de façon sereine, que ce soit sur le plan du logement, de l'école des enfants, tous les sujets. Et moi, je fais toujours avec les couples qui viennent, je dis « bon, ok, c'est quoi les sujets ? De quoi allons-nous parler ? Ben, où sont les éléphants dans la pièce ? Allez, il faut les sortir parce que c'est ici que vous allez pouvoir en parler le plus facilement possible, le plus aisément possible. » Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, la communication. Comment est-ce qu'on va communiquer sur le sujet ? À qui en premier ? En particulier, la première chose qui vient, c'est les enfants. Comment est-ce qu'on va annoncer aux enfants ? Très souvent, ça arrive que, par exemple, l'un des deux va dire alors aux enfants, « Ah ben, tu sais, j'ai oublié de te dire, mais comme ça, mais je voudrais te dire, ta mère et moi, on se sépare. » Et puis après, la maman découvre que ça a déjà été dit. C'est terrible. Alors, il faut vraiment se mettre au diapason sur quand dire, comment dire, et être d'accord sur les messages à faire passer, d'abord aux enfants, et puis après dans la famille proche et les amis. Et puis, pour réussir une séparation consciente, c'est important aussi de co-construire le couple parental. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'asseoir une bonne demi-journée avec moi pour dire « Ok, maintenant, on va être des parents de nos enfants. Nous ne sommes plus un couple, mais nous sommes un couple parental. Donc, comment allons-nous œuvrer cela ? Quel mode de communication ? Comment allons-nous faire quand nous aurons des conflits, nous ne serons pas d'accord ? Et là, je dois vous avouer que je donne beaucoup, beaucoup de tips et de conseils sur comment s'y prendre pour éviter les pièges. D'accord. Alors, j'avais une question supplémentaire à poser, mais on a une auditrice qui nous en pose une autre, donc je voudrais privilégier la sienne, si ça t'ennuie pas, et qui nous dit, je te lis sa question comme elle est. Elle dit, si la séparation est la mort, comment expliquez-vous la séparation de jumelles à la naissance pendant plusieurs semaines, puis à 3 ans avec la mère pendant un long moment, puis la séparation des parents. J'ai le sentiment que cette jeune femme, en l'occurrence,
donne une chronologie de plusieurs séparations dans sa vie à elle, probablement. Voilà. Je ne sais pas ce que ça t'inspire, Elia. La question, c'est comment est-ce que moi, je l'explique ? Oui. C'est difficile d'expliquer quelque chose comme ça. C'est peut-être... et en plus, tu peux imaginer, pour cette femme, la souffrance d'avoir connu ces séparations si tôt dans la vie. Je disais combien... psychiquement, on n'est pas prêt à la séparation et si séparations arrivent très très tôt dans la vie, elles peuvent être d'immenses traumas et marquer la vie de l'ensemble de la vie de la personne pour toute sa vie. Alors, bien évidemment, il y a la question de la résilience. Quand un chemin de vie a été si marqué, comment est-ce qu'on peut être résilient après de tels traumas? Je crois que nous avons tous des exemples de personnes qui ont vécu des atrocités et qui ont pu se mettre sur un chemin spirituel, mais c'est vraiment à chacun d'en faire ce chemin. Je souhaite bonne chance à cette personne. Donc, merci Sandrine de votre question. Oui, merci Sandrine. Et au passage... Et alors, si j'ai envie de dire, mais c'est peut-être un peu violent, c'est pour ça que je n'ose pas le dire, mais... Je me dis toujours, vous savez, je dis toujours, les crises sont là pour nous mettre sur notre chemin sur le plan spirituel. Donc elles sont là pour nous réveiller, et en même temps, bon, c'est toujours difficile de dire quelque chose comme ça quand quelqu'un a vécu des choses aussi fortes et aussi douloureuses. Comment est-ce possible d'entendre quelqu'un vous dire, ah, mais oui, c'est des crises sur ton chemin spirituel, à dire avec des pincettes. Dans le cas de Sandrine, je sais que une partie du travail est déjà bien entamée. Elle doit savoir de quoi je parle. Oui, sûrement. J'en profite pour te poser ma question bonus là, de tout à l'heure, ma question de Joker, qui m'est inspirée par un commentaire sur Instagram, sur une des publications d'aujourd'hui. On parle là du couple, on parle de la séparation du couple. Sandrine nous introduit à d'autres types de séparations également. Mais il n'y a pas que le couple comme relation amoureuse. Il y a le polyamour, il y a les troubles, les quads, les communautés. Enfin, on peut imaginer plein de formes, et d'ailleurs, elles existent, enfin, de formes de relation amoureuse. Est-ce qu'il y a une différence, enfin, je ne sais pas, entre, par exemple, s'il y a un troupe ou un quad, viens te voir, qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'ai envie de te dire, aussi ça risque de te choquer, mais sur le plan du processus, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Après, bien évidemment que c'est l'intensité de l'implication de la relation qui va faire que la séparation et que ce deuil va être plus ou moins facile. Je pense à une de mes clientes que j'ai accompagnée pendant longtemps, qui avait une relation à son chien, elle aussi, extrêmement forte. Je peux dire pour sûr que cette séparation a été aussi douloureuse pour elle que si elle s'était séparée de son partenaire de vie, quand il est parti. Est-ce que tu as... Maintenant, pour quelqu'un qui n'est pas amoureux des animaux, il dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas possible. Mais si, c'est possible, les investissements émotionnels et affectifs avec un animal ou avec même une maison ou un lieu ou un pays. Imaginez tous les immigrés avoir le deuil de sa culture, de son pays, l'arrachement que ça peut être. Ça, c'est des séparations qui sont extrêmement douloureuses. Mais ça, tu ne peux pas les accompagner comme tu le fais pour l'accompagnement d'un couple aussi. Et pourquoi pas? Okay. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Bien sûr que si. Tu sais, j'ai accompagné, j'ai plus de 25 ans d'accompagnement de personnes qui se sont séparées d'entreprises, 35 ans, 30 ans, 25 ans de vie professionnelle où ils sont rentrés dans l'entreprise, ils en sortent 30 ans plus tard. T'imagines le deuil qu'il y a à faire?
c'est toute leur vie, c'est toute leur, leur implication qui est là, à laquelle il faut qu'ils disent au revoir pour construire une nouvelle vie. Imaginer un nouveau métier, de nouvelles relations, ça peut déclencher autant de dépression, autant de passages à vide qu'une séparation de couple. Elisia, je me posais la question suivante. Attends, je voulais te dire, j'ai oublié de te donner un exemple, mais je peux aussi te parler de séparation dans laquelle à 8h du matin, tu arrives au travail et à 10h, on te demande les clés de ton ordinateur, on te demande de sortir de ton bureau et à 10h30, tu es sur le parking et tu dois rendre les clés de ta voiture. Tu vois ? Donc, ça aussi, ça laisse de sacrées traces. Hein. Donc, tu vois, il y a toutes les expériences de vie hein, en matière de séparation. Hein. Moi, je pourrais t'en raconter des centaines. Pardon, Sabrina, j'ai oublié de... Je t'ai coupé, mais je voulais donner cet exemple-là parce que c'est pas uniquement celui qu'on placardise, tu sais, qui souffre. Hein. C'est aussi celui dont on se sépare du jour au lendemain, même pas sans qu'il ait même crié, sans que rien n'ait été vu. De la même façon, comme, je sais pas... J'ai souvenir d'un de mes clients qui était arrivé comme ça, une de mes clientes qui était arrivée comme ça et qui m'avait dit « Bon, ben voilà, je dois te dire que l'appartement est vide. » C'est-à-dire que le conjoint avait vidé l'appartement dans la journée et était parti. Donc, voilà ce que c'est que des passages à l'acte qui peuvent vraiment laisser des grosses blessures et qui peuvent vraiment prendre du temps à cicatriser. Je me posais la question suivante, est-ce qu'il t'est arrivé d'accompagner des couples qui décident de prendre telle direction, donc soit la séparation, soit la non-séparation, et que toi, en ton fort intérieur, tu te dises qu'en fait, c'est pas forcément vers cette direction que toi, tu les aurais imaginé aller. Oui, ça m'arrive. Depuis ma chaise à moi, je me dis, c'est pas ce que j'aurais choisi, moi, mais voilà, c'est la liberté du couple, hein, c'est à eux de décider. Parfois, ça peut être aussi l'occasion de dire, mais prenez encore un temps pour réfléchir ou faire un petit temps de jachère, voilà. Si je sens qu'il y a de l'hésitation, parce que parfois le guide relationnel ou le thérapeute est dépositaire de choses inconscientes. Hein. Donc, ce n'est pas uniquement moi qui suis en train de me dire oh, « ils sont en train de faire une erreur, c'est bizarre, ils n'auraient pas dû dire ça hein. ». Ça, c'est que... Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que parfois, il ne se dit pas des choses que le thérapeute sent dans son corps. Et là, tout d'un coup, ça émerge et ce sont des matériaux avec lesquels je travaille, bien évidemment. Donc, et tu travailles sur le déni parfois, quand il y a du déni aussi. Ça. Et puis il y a aussi autre chose qu'il faut dire, c'est que on n'a pas trop parlé ce soir, je ne sais pas si c'était volontaire de ma part, peut-être parce que vous ne m'avez pas posé de questions sur ce sujet, mais quand il y a une séparation qui est liée à une relation extra-conjugale, La question du discernement et du temps pour prendre, pour parler, pour poser les choses n'est pas facile parce que la relation extra-conjugale amène beaucoup de fuites et beaucoup d'émotions de la part de la personne qui est dans cette relation, qui bien sûr est emballée par cette nouvelle relation, ce qui est tout à fait normal parce que tout d'un coup il devient amoureux. Et donc c'est comme s'il y avait un voile, et c'est difficile dans ce moment-là de pouvoir amener la personne à dire « ok, voilà, voici la personne avec laquelle tu as vécu pendant 25 ans, et alors que, oui, et là de côté je suis super amoureux et on me demande de réfléchir, vous voyez, ça peut être très très complexe dans ce moment-là. Donc ça peut être une chose qui peut fausser le jeu. Parfois au profit de, en fait, cette relation extra-conjugale est une belle relation et elle va perdurer dans le temps. Parfois, c'était juste ce qu'on appelle une relation tampon ou sandwich, et qui, quand elle va se terminer, en fait, la personne va se rendre compte, mais qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, c'était juste pour me faire du bien, parce que j'étais tellement en souffrance, mais finalement, ça n'a rien réglé. Maintenant que je suis en dehors de mon cocktail amoureux, je me rends compte que j'ai à faire face à tout ce que j'ai laissé derrière moi. Donc ça, la question de la relation extra-conjugale dans la séparation, c'est vraiment un chapitre à part
Ouais, peut-être on pourrait presque même faire une conférence sur le sujet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai un auditeur, Noël, qui me demande de préciser l'auteur et le titre du livre dont je parlais tout à l'heure. Oui. Alors, je répète, l'auteur, c'est Irvin Yalom. Irvin, I-R-V-I-N. Yalom, Y-K-L-O-M. Et le titre exact, c'est Schiffreck des Justes Arts. Alors, vous trouvez que Sabrina va... C'est question de mort et de vie, non ? Oui, c'est une question de mort et de vie. Une question de mort, je ne sais pas si on la non, on voit pas très bien. Ouais. Une question. Si là, c'est bien. Une question de mort et de vie. De vie. Ouais, question de mort et de vie. Ça vient de paraître. Moi, j'ai une question. On dirait Bernard Pivot, Guillaume. Mais tu ne peux pas savoir, Bernard Pivot a bercé toute mon enfance. Et on le regardait tous les vendredis soirs parce que papa voulait qu'on le regarde. Donc j'ai vu toutes ces émissions. Et mon rêve, ça a longtemps été de devenir une sorte de Bernard Pivot. Voilà, c'est vrai. Et je l'assouvis un peu avec l'université de l'amour, c'est vrai. Tu m'as tout de suite détecté. Hein, ça, c'est... Voilà. Voilà, tu es expérimenté. Alors, puisque tu me fais des coups comme ça, je te pose une question piège. Ah non, s'il te plaît. Piège entre copains. Est-ce que finalement, tu sais bien sûr qu'il y a des histoires de couples qui se séparent, et puis qui se séparent pour de vrai, voilà. Et puis, quelque temps après, finalement, ils se remettent ensemble. Mais est-ce que ce travail sur l'accompagnement de la séparation, est-ce qu'il est compatible avec ça ? Parce que finalement, si on s'est bien séparé, on n'a plus de raison de s'en mettre ensemble. Mais bien sûr que si. Ah bon, d'accord. Bon, ce n'est pas une question piège, c'est une question piège rapide. Parce que, tu sais, il y avait une femme que tu connais bien qui s'appelle Edith Schleifer qui disait, qui présentait Yumi. C'était donc Elie Schleifer et Yumi sont un couple de thérapeutes américains qui ont fait partie de ma formation et qui disait, en présentant Yumi, elle disait « Je vous présente mon 33e mari ». Il avait 80 et quelques années. Et ce pour dire que, bien évidemment, heureusement que nous pouvons nous remarier. Heureusement que nous pouvons réhonorer une relation alors que deux êtres, après une séparation, ont évolué, ont appris de nouvelles façons d'être en relation. Voilà, et surtout s'il y a encore de l'amour. Hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien sûr que ce n'est pas du tout antinomique. Et peut-être justement parce qu'il y a eu une bonne séparation que c'est possible. Parce que la bonne séparation va permettre à ce qu'un réengagement plus clair, Je dis souvent pour les personnes, par exemple, qui se réengagent, je leur dis toujours, mais changer les meubles de place, repeigner les murs, voilà, il faut faire du nouveau, du neuf. Parce que c'est difficile pour le cerveau de faire du nouveau quand on est assis dans les habitudes. Donc, il faut vraiment recréer du nouveau et recréer tout ce qui va permettre au cerveau d'être dans l'ici et maintenant et pas dans l'ancien. Et donc, tous les rituels de séparation, hein, qui font qu'on va pouvoir ne plus être dans le passé, va permettre à cette nouvelle relation d'émerger. Et d'ailleurs, tu sais, souvent, quand les couples se séparent, il y en a un qui garde l'appartement et l'autre qui va vivre ailleurs. Et alors, il y a toujours celui qui me dit « Ah ouais, bah, j'ai de la chance parce que je garde l'appartement. » Puis l'autre dit « Ah ben non, t'as de la chance parce que tu gardes l'appartement. » parce que je ne garde pas l'appartement. Et les deux sont vrais. Parce que sur le plan pratique, c'est sûr qu'il n'y a pas de déménagement. Mais pour amener une nouvelle relation dans une ancienne énergie de couple précédente, c'est quelque chose qui est un enjeu pas évident. Hein. Il faut vraiment faire un travail de nettoyage énergétique. Mais c'est pas feng shui. Et ce nettoyage énergétique, il passe par se séparer sur le plan symbolique et sur le plan concret. Donc se séparer d'objets, se séparer voilà, de façon de vivre, de changer les meubles de place, voilà.
tout ce qui va permettre de créer du nouveau dans le cerveau de la personne. Donc, merci pour ta question, Pierre, je l'ai adorée. J'en ai une autre, celle-là, elle n'est pas de moi. Tu peux la lire, oui. Autant, si tu veux. Oui, c'est Sandrine. Alors, une autre Sandrine, j'imagine. Comment ça se passe pour les séparations de petite durée suite aux blessures d'enfance, de rejet et d'abandon? Tu veux que je te la relise peut-être là? Oui, s'il te plaît, parce que je ne la comprends pas bien. Alors, donc Sandrine se pose la question de comment ça se passe pour les relations de petite durée, les séparations de petite durée suite aux blessures d'enfance, de rejet et d'abandon. Je crois entrevoir ce que veut dire Sandrine. C'est un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire, par exemple, s'il est décidé d'un commun accord qu'il va y avoir une interruption de la relation pendant un temps, qu'on a appelé la jachère tout à l'heure. Oui. Il se peut que si j'ai une histoire de vie dans laquelle j'ai eu des ruptures émotionnelles et affectives tôt dans la vie, pendant ce temps de jachère, le sentiment d'abandon, le sentiment de rejet, le sentiment voire même d'angoisse liée à cette rupture temporaire peut raviver ces blessures d'enfant. Donc vraiment, là, je recommande en tout point d'abord de se faire accompagner, hein, ça c'est sûr, peut-être redoubler les séances pendant ce moment-là pour qu'il y ait quelqu'un qui tienne la main, qui puisse être en lien avec cette personne et puis surtout qu'elle se chouchoute, hein. Il ne faut pas pour cette personne qu'elle soit nécessairement allée se mettre en haut d'une montagne dans une cabane toute seule, mais peut-être qu'elle va avoir besoin d'être soutenue par des amis, voilà, qu'elle ait, on pourrait dire, des soutiens affectifs qui fait qu'elle peut traverser ce moment plus aisément, pour ne pas se faire harakiri, hein, surtout quand il y a un sentiment élastique comme ça qui revient. Moi, j'aimerais rebondir sur la question de Sandrine par rapport aux blessures. Donc, si on prend les cinq blessures, donc il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Est-ce qu'il y a des blessures qui sont plus, des séparations qui se font plus difficilement selon certaines blessures? Parce que là, comme Sandrine, elle parle du rejet, de l'abandon, c'était… Oui, mais imagine-toi, par exemple, que s'il s'agit d'un couple qui vient avec une relation extra-conjugale au milieu, bien évidemment, la blessure de la trahison va être au milieu du sujet. Et pour peu que, bien sûr, cette personne elle-même a déjà vécu des sentiments de trahison dans sa famille, etc. En fait, tout est lié à comment ça réveille d'anciennes blessures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. La blessure de trahison, elle est réelle quand un partenaire de vie va trouver une autre personne pour aller, c'est évident que c'est une immense blessure. Pour autant, moi j'ai vu, ça va vous choquer peut-être d'entendre ça, j'ai vu des personnes être extrêmement blessées de cette blessure de trahison liée à une relation extra-conjugale, mais extrêmement blessée, de ne pas pouvoir s'en remettre, de ne pas pouvoir pardonner, de ne pas pouvoir accepter. Et en ayant aussi une estime de soi entachée liée à cette blessure de trahison, hein, autour de qu'est-ce que tu lui trouves à elle que je n'ai pas, etc. Enfin, des choses qui viennent entrer la personne dans la comparaison, hein, donc des choses très, très blessantes. Et puis, j'ai vu aussi, par exemple, j'ai souvenir d'une femme qui m'avait scotché quand elle a appris que son mari avait une relation extra-conjugale. Elle l'a remercié. Elle l'a remercié de l'avoir réveillée. Elle lui a dit, mais si tu n'avais pas fait ça, j'aurais dormi comme la belle au bois dormant jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, on n'était plus l'un à côté de l'autre et je ne suis même pas sûre que j'aurais été capable de m'en apercevoir. Et vraiment, elle a dit, il me fallait ça pour me rendre compte que tu n'étais pas heureux. Donc, vous voyez, hein, je fais exprès de choisir des choses extrêmes pour dire que c'est à la fois les faits qui créent les blessures, mais c'est aussi comment nous les vivons, hein, et l'histoire qui est derrière. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Oui, mais c'est super intéressant de voir
réaction de, enfin, la réaction de cette femme. Et moi, ça me fait penser à autre chose, à une autre problématique. Je t'explique qu'il y ait autant de séparations qui sont finales. Je ne t'entends pas très très bien, pardon. Oui, je voulais te poser la question suivante, c'est comment tu... Il y a un écho là. C'est pas... Oui, j'ai entendu la question suivante. Oui, en fait, comment est-ce que tu expliques qu'il y ait autant de séparations qui se passent si mal? Comment est-ce que j'explique qu'il y ait autant de séparations qui se passent si mal? Voilà, tu vois, autour de toi, enfin, avec des personnes qui ne sont d'ailleurs pas forcément accompagnées, évidemment, par un thérapeute, mais c'est vrai qu'autour de soi, on... Écoute, tu sais, avant même de parler de séparation, on pourrait parler de conflit. Est-ce que tu as appris à l'école, est-ce que tu as eu à l'école un cours sur comment gérer les conflits quand tu étais enfant? Non. Moi, hein. Moi, il a fallu que je fasse des études supérieures et beaucoup pour me rendre compte qu'en fait, le conflit était le laboratoire de la croissance et que si j'étais d'accord pour commencer à discuter avec ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, j'allais grandir. Mais a priori, le conflit était quelque chose que je rejetais et qui me faisait du mal, et j'imaginais pas pouvoir faire face à un conflit quand j'étais plus jeune. Et donc, la séparation, c'est la question de la séparation, c'est le conflit multiplié par 10, 20, 30. Et donc, les réactions de défense, les réactions émotionnelles qui sont liées à la séparation sont tellement fortes que l'idée, c'est contre-intuitif de dire « Mais attendez, vous séparez, venez me voir, asseyez-vous là en face de l'autre, on va parler ». Mais c'est, le cerveau n'est pas du tout à ce moment-là câblé pour ça. Il est câblé pour partir, il est câblé pour lutter, il est câblé pour se défendre, pour être en mode survie. Donc c'est contre-intuitif de vouloir faire ce travail. On est en mode survie quand on se sépare. Voilà, si un jour on donne des cours sur comment gérer les conflits à l'école, tu sais, déjà, on aurait avancé, hein. En disant, chouette, un conflit, regarde, il y a quelqu'un qui pense différemment que toi, il y a quelqu'un qui voit la vie différemment que toi, qui a des besoins différents de tiens. Intéresse-toi, parle des tiens. Faisons un petit creuset, là, pour regarder ce qui se passe entre nous, de façon à créer et à co-créer quelque chose de nouveau, grâce à nos deux points de vue. C'est facile à dire, hein, c'est facile à dire. Tout ce que je viens de dire, c'est facile à dire. Il y a tellement de littérature sur le sujet. Mais alors, dans le management, c'est partout. Hein. Le leadership constructif, le leadership dans la co-construction, etc. C'est tellement, voilà, et dans l'authenticité, c'est tellement dans l'air du temps. Mais le mettre en place, ça demande une maîtrise émotionnelle. Une grande conscience de soi. Ce que tu dis là... évoque une chose, c'est, je parlais tout à l'heure des polyamoureux. Dans le monde du polyamour, on met en valeur une valeur dont je ne connais plus le nom, mais qui consiste à dire de se réjouir pour l'autre, se réjouir du bonheur de l'autre. Comment on appelle ça, la conspiration? Non, la conspiration. Je ne sais plus comment on dit ça. Compersion. Le fait de se réjouir que son conjoint ait du plaisir dans les bras d'un tiers, par exemple. C'est ça. Est-ce que tu crois que des gens qui se sont exercés à la compersion parce que, par exemple, ils étaient dans une relation plus amoureuse, ont des facilités à aborder la phase de la séparation si elle arrive? Tant qu'ils ne sont pas interpellés dans leurs propres blessures individuelles, oui. D'accord. C'est toujours la même histoire. Donc j'ai la réponse. Tu vois? Et que ce soit polyamour ou monogamie, pour moi, c'est le champ est le même, hein, en fait. Hein. J'accompagne tout type de couple, que ce soit des polyamoureux et voilà, des couples qui sont dans des relations plus traditionnelles, si je peux parler comme ça. Et je vois bien que les enjeux de blessures se réveillent de part et d'autre de la même façon. Peut-être ce que je peux dire, c'est que pour vivre le polyamour, il faut vraiment une grande maturité émotionnelle. Oui, c'est ça.
Donc j'imagine aussi, bon, je connais ta réponse, mais quand même, j'ai autant poser la chose, j'imagine aussi que tu vas me dire qu'il n'y a pas de différence non plus entre accompagner un couple hétérosexuel et un couple homosexuel, probablement. Exactement. Ouais. Mais oui. Tous bienvenus dans la machine à laver émotionnelle et relationnelle. C'est ce que je dis souvent quand je dis faire un deuil, c'est entrer dans la machine à laver le linge et appuyer sur le cycle essorage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gouttes d'eau. Et là, le linge est tout propre, il est prêt à sécher. C'est une belle métaphore. Je crois qu'on est dans la spirale de l'essorage. Voilà. On a des commentaires qui sont très plaisants, merci. Très agréables. J'ai Didier qui dit merci, on est deux à écouter, quel apaisement, merci, merci. Puis on a Christophe aussi qui fait partie de nos fidèles. Oui. Merci Christophe d'être parmi nous. Donc j'aime beaucoup la simplicité et la bonne humeur avec laquelle vous abordez les différents points. Ça allège beaucoup sans occulter la gravité du sujet. Au contraire même, l'aspect vivant, quelle que soit la situation, souligne la distanciation. Oui, en fait, nous on avait précisé en annonçant cette interview en fait, ça concernait tout le monde, pas forcément les couples qui sont dans une phase de séparation, parce que de bien comprendre le processus de la couple à quel moment que ce soit, c'est toujours intéressant. Bien sûr. On avait aussi dit que ça se passait dans la bonne humeur. Oui. On s'y attendait. Et Isia, je voulais te dire que là, on voit derrière toi sur la cheminée des belles sculptures. Oui. Et c'est vrai que, en fait, tout à l'heure, quand on a fait une brève présentation de toi, on n'a pas parlé de ton côté artistique, qui est magnifique. Moi, j'ai la chance d'avoir fait plusieurs dimanches avec toi, avec un groupe de femmes. Et en fait, je voulais savoir si ce que tu proposes le dimanche, tu le proposes aussi pour le groupe. Cet accompagnement qui a là. Ça peut en particulier quand il s'agit de créer une vision à deux. Tu sais, c'est très chouette de passer par la sphère du cerveau analogique quand il s'agit de créer un rêve à deux, un projet à deux. Et je peux travailler avec des images, avec du dessin, mais aussi de la terre. Ça peut être très, très beau de faire une sculpture collective à deux, en couple, autour de ce que on veut, comment on veut vivre l'amour. Bien un projet de vie, tu sais, voilà, ça peut être quelque chose de très très beau à vivre et très intense. La terre est quelque chose qui plonge tout de suite dans l'inconscient et de ce point de vue-là, c'est un magnifique moyen de pouvoir exprimer quelque chose qui ne peut pas s'exprimer en mots. Donc ça peut être très très beau. Et en plus, c'est très sensuel, tu sais. C'est très sensuel, il y a beaucoup de toucher, voilà. Donc, ça peut donner aussi envie de se masser après, voilà, faire des belles choses comme ça, en couple. Et en famille aussi, également, tu peux le proposer. Oui, en famille, avec des équipes aussi, sur le plan professionnel. Le mois dernier, j'ai encore accueilli une équipe de 7 personnes qui sont venues faire une sculpture collective pour exprimer leur projet professionnel ensemble, pour l'entreprise. Une vision commune, une stratégie commune. Okay. C'était très très beau, il y a eu beaucoup beaucoup d'émotions quand elles sont venues travailler ces femmes, c'était très 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 chouette, vraiment, ça c'est un travail que je pourrais pas abandonner, tu sais, c'est peut-être qu'il faudra que je m'en sépare un jour. Chacun son tour. tu vois que le travail sur la séparation, il est à faire tout le temps. Mais pour l'instant, je ne suis pas prête. Alors, tant que j'ai la chance, alors, tu vois, un jour, peut-être, il faudra. Ou alors, je sentirai que ce ne sera plus le moment. Mais pour l'instant, j'ai encore beaucoup à offrir de ce point de vue-là. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien aux gens. Donc, voilà. Je voudrais aussi préciser que tu reçois aussi des couples qui ne se séparent pas ou qui ne sont pas en phase de séparation, en tous les cas.
Et par exemple, je crois que le week-end prochain, tu organises à Auxéliens un week-end couple. Alors, peut-être que tu peux le présenter rapidement, là, puisque nous savons qu'il y a des couples là qui nous écoutent. Écoutez, c'est un week-end que je trouve très très chouette parce que c'est à la fois un week-end coucouni où on vient en couple avec d'autres couples pour profiter de ce joli lieu dont tu parlais tout à l'heure, une vieille ferme avec des très jolies chambres, il y a un spa avec jacuzzi, sauna, hammam, un très joli jardin et des balades en forêt à faire. Voilà, c'est très très chouette. On mange bien en plus, on mange végétarien, c'est très très bon. Mais aussi, il y a des ateliers. Il y a un atelier sur la rencontre de qualité et la relation consciente, comment la mettre en œuvre avec des exercices à faire à deux, une fois que j'apprends au couple à le faire. Puis il y a un autre atelier qui s'appelle l'art du chérissement au quotidien. Alors ça, c'est top, tu sors de l'atelier et tu as les hormones dans le cerveau jusqu'au haut du plafond là. Tchouk ! C'est absolument super. Voilà, et puis c'est un refaire au quotidien ou plutôt de façon hebdomadaire pour justement remettre de l'énergie dans la relation de couple, parce que le couple c'est comme une fleur, hein, faut mettre de l'eau dans le vase tout le temps, autrement ça sèche. Et puis un dernier atelier qui porte sur la vision et sur le projet du couple, et là on peut travailler avec la terre ou avec la couleur ou avec le dessin ou tout simplement l'écriture, voilà, et où le couple peut partager sa vision pour les 5-10 prochaines années. C'est quelque chose qui va cimenter leur relation, voilà, et c'est avec 4 couples viendront dimanche. Il reste encore une place, donc s'il y en a qui veulent venir, une place. Enfin, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, pas du tout. Là, j'ai mis sur le chat donc, le nom aux Aignances. Sandrine nous remercie. Beaucoup de bien de vous écouter. Ça donne de la légèreté. Merci, alors, Sandrine. Donc on a des remerciements d'un peu partout. Et c'est normal puisqu'on est un peu arrivé à la fin. Oui, 1h30 déjà là. Et alors, puisque c'est la fin, on voudrait d'abord te remercier de ta disponibilité, ta bonne humeur, le temps que tu nous consacres et la clarté de ton propos également. Ça fait bien passer ta manière d'envisager la thérapie et le soin que tu apportes à l'écoute et à la compréhension de chacun, et le cœur que tu y mets. Parce que tout ça est bien passé dans cet entretien. Je suis heureux que Sabrina et moi aient pu contribuer à faire passer justement ce soir. Puis, l'autre chose, c'est que je voudrais annoncer ce qu'on va faire dans 15 jours. Oui, on va interviewer quelqu'un d'autre. Voilà, très rapidement. Donc, c'est Capucine Moreau qui parlera de son ouvrage La créativité érotique. Voilà, donc. Voilà, super, bravo Capucine Moreau, créativité érotique. Voilà, la créativité érotique. On a plein de raisons d'interviewer Capucine, mais la première de ces raisons, c'est le titre de ce livre. Parce qu'effectivement, tu disais que dans les couples, parfois la relation s'endort un petit peu. Et bien, il est bien connu que sexuellement aussi, parfois elle s'endort. Et dans ces cas-là, on peut injecter un petit coup de créativité. Voilà, du bien, par où ça passe. Et Capucine nous explique comment faire. Donc on va l'interroger le 22 novembre à 20h, comme d'habitude. On va travailler sur un des pieds dont tu parlais du tabouret, qui est la sexualité. Essentiel, la sexualité. Mais bien sûr, c'est essentiel. Ouais, magnifique. Ah, écoutez, moi je voudrais vraiment vous remercier, Guillaume et Sabrina, vraiment. D'abord, vous remercier d'avoir créé l'Université de l'amour. Ça, c'est une excellente idée. J'espère que vous aurez beaucoup de personnes qui vont vous suivre parce qu'il y a besoin. Oui, vraiment, bravo à tous les deux.
Merci, merci. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on est à fond là-dedans, quand même. 13 universités et 13 années. Voilà. Bon, et merci à toutes les personnes qui ont suivi donc, cette heure et demie. Hein, ça fait, plus d'une heure et demie qu'on est ensemble. Merci de votre fidélité. Et puis, on se revoit donc dans 15 jours. Voilà. Je serai avec vous, mais de l'autre côté de l'écran. Super, d'accord, avec super. On est content de savoir que tu seras parmi les nôtres. Alors. Super. Bonne soirée à tous et merci. Bonne soirée à tous et merci de m'avoir écouté. Merci Izia, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.